Salut et bienvenue sur École Très Facile. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de mathématiques. Nous allons continuer où nous sommes arrêtés. Dans la vidéo précédente, vous pourrez constater, nous avons abordé la notion de nombres complexes. Bien sûr, dans sa première approche, l'approche algébrique. Parce que bien sûr, on fera une autre approche ultérieurement, qui est l'approche géométrique. Alors, en ce qui concerne les nombres complexes, nous avons vu leur écriture algébrique, et on peut se rendre compte que les nombres complexes, généralement désignés par petit z ou grand z, ça va de soi, est sous la forme, sous cette écriture algébrique, a plus ib, on connaît qui est a et b, i. Vous aurez le temps de constater cela. Par la suite encore, on a découvert une nouvelle écriture qui rend toujours compte, dans les détails, avec les mêmes informations, l'écriture trigonométrique. Cette fois, z n'est plus sous la forme a plus ib, mais z égale à un r, qui est le module, vous constaterez, facteur de cosinus theta plus un i, ce i qui est la racine du nombre complexe, cosinus theta plus i, sinus theta. Alors, dans cette vidéo, on fera une nouvelle approche, on verra une nouvelle écriture qui rendra toujours compte du nombre complexe sans toutefois dégrader les informations qui est l'écriture exponentielle. Alors notre complexe sera toujours Z. Ce même complexe qui vu depuis le départ était sous la forme A plus IB, qui pouvait encore être sous la forme R, facteur de cosinus theta plus I, sinus theta. Alors on se retrouve après le générique pour entamer. Rappelons que l'écriture de base, l'écriture originelle, d'après la définition d'un nombre complexe, c'est son écriture algébrique. Alors, peu importe l'écriture que l'on tentera de démontrer ici, on partira de la forme algébrique. Alors, ça ne nous fait pas de mal, faisons ce petit rappel. On a l'écriture algébrique Z qui égale à A plus IB. C'est vrai que ce n'est pas cette écriture qui nous intéresse, mais faisons ce rappel. Bien sûr, définissons les termes avec A et B qui sont dans cette écriture des réels. Bien sûr, I qui est un complexe est tel que I carré donne moins 1. Très bien. Alors, à partir de cette écriture algébrique, on a découvert une nouvelle écriture, l'écriture trigonométrique, qui est sous la forme R cosinus theta plus I sinus theta. Bien sûr, qui est R. R est tel qu'on est racine carrée de A carré plus B carré. Avec R qui est défini par le module, bien sûr, et θ est tel que le cosinus de ce θ soit égal à A sur R et le sinus de ce θ soit égal à B sur R. Alors ainsi, avec la forme algébrique, on peut dégager la forme trigonométrique. Maintenant, on verra une nouvelle écriture, une nouvelle forme, une nouvelle notation, si vous voulez, la notation exponentielle. Alors, on se rend compte que notre écriture trigonométrique, qui est la dernière écriture vue jusqu'ici, R cosinus θ, si on veut, plus I, R sinus θ, si je décide de faire entrer R à l'intérieur, on a ça. Bon, maintenant, avec d'autres considérations qui ne sont pas encore de notre niveau, on pourra quand même le dire pour certaines personnes qui sont prédisposées, avec ce qu'on appelle le développement limité, avec encore d'autres formules que l'on aura le temps de voir peut-être supérieures, on se rend compte que ce cosinus theta et ce sinus theta peuvent se mettre sous une autre forme qui correspond encore à un autre opérateur. Je m'explique. Ça veut dire, on a vu cette forme R cosinus theta plus I R sinus theta, mais en faisant un développement limité, je dis comme ça, c'est possible que vous ne compreniez pas, mais c'est pas grave, en faisant un développement limité de cosinus theta et de sinus theta, on se rend compte à la fin que ce RC, bon, puisqu'il ne nous dérange pas, il est à l'extérieur, ce n'est pas un problème. Je rappelle, en faisant un développement limité de cosinus theta et de sinus theta, on se rend compte que cela donne en fait exponentielle de I theta. Et oui, exponentielle telle qu'on connaît. Ici, cette forme exponentielle, ce n'est pas une nouvelle exponentielle qu'on a définie. C'est le même exponentielle qu'on a vu, que l'on voit en mathématiques sur les fonctions, que l'on voit en physique, c'est le même exponentielle. Donc, c'est un constat, c'est une coïncidence, s'il faut le dire. Nous ne sommes pas restés, on a dit, et si on décidait de prendre l'exponentielle pour rendre compte? Non, on ne peut pas prendre ln de la même façon qu'on appelle exponentielle. Mais c'est avec une retranscription de ce cosinus et de ce sinus qu'on s'est rendu compte. Je ne sais pas s'il veut dire la coïncidence ou c'était prévisible, qu'on s'est rendu compte qu'en fait,
RC, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème, il est de l'autre côté. Que cosinus theta plus I sinus theta avec leur formule inconnue encore pour notre niveau avec le développement limité, on s'est rendu compte que c'est encore exponentiel I, I theta. Alors finalement, on pourra dire qu'on a découvert une nouvelle forme. Mais rigoureusement, ce n'est pas une nouvelle forme parce que on parle de l'écriture trigonométrique avec nos deux informations, R et theta. Mais juste une nouvelle façon de voir cosinus theta et sinus theta, les deux mélangés qui nous permet de définir exponentielle I theta. Alors ainsi, voici la forme exponentielle définie. Rappelons, donc la forme exponentielle est simple. Pour avoir la forme exponentielle, comme la forme trigonométrique, toujours est-il que c'est même une forme trigonométrique parce qu'on a besoin de deux informations. Le module qu'on connaît calculer avec A et B, ou pas de là, et l'argument qu'on pourra aussi déterminer avec cette formule-ci. Ayant le module et l'argument, si je veux l'écriture trigonométrique, voilà ça. Maintenant, avec ces deux éléments, sans calcul supplémentaire, si j'ai déjà R et θ, je peux mettre la forme exponentielle, qui est quoi? R, R n'a pas de problème, c'est le module qui est dehors, qui a toujours été dehors. Maintenant, cosinus θ plus I sinus θ, c'est ça qui va donner quoi? Exponentielle I de I θ. C'est exponentielle telle qu'on connaît, et on se rend compte qu'il y a toujours I, parce que I est la nature, I est le racine, et I est la racine autant pour moi de la complexité de nos nombres complexes. Alors là, on a Z égale à R exponentielle I theta. Alors, si on veut, c'est cosinus theta plus I sinus theta lors de nos développements limités qui a encore donné exponentielle I theta. Prenons ceci comme ça et vous aurez le temps de découvrir cela à l'université. Ne nous embrouillons pas. Donc, considérons que ceci est encore, avec d'autres considérations, égal à ceci, exponentielle I theta. Alors là, ça veut dire tout simplement que si on a notre complexe là, je prends un exemple très simple, qui est sur la forme trigonométrique, n'importe quoi, 2, on ouvre la parenthèse, cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Alors tout simplement sur la forme exponentielle, ça va donner 2 exponentielle i pi sur 3. Donc finalement, on a besoin des mêmes informations, mais on les met à des endroits différents. Ici, on voit bien que le module est dehors. L'argument qu'on met dans un cosinus et dans un sinus, cette fois notre module qu'on met toujours dehors, mais l'argument on met sur un exponentiel qui s'accompagne d'un i. Donc en récapitulatif, il s'agit toujours d'une étude trigonométrique, parce qu'il faut le dire, c'est toujours trigonométrique, mais juste que ces informations, on ne les exploite pas de la même façon, on ne les voit pas de la même façon. Mais n'oublions pas que ce soit la forme trigonométrique, que ce soit la forme exponentielle, on n'a rien inventé, ça garde les mêmes informations, ça garde les mêmes informations. Alors là, ce qu'on rappellera, ce qu'on soulignera particulièrement dans cette présentation, c'est cette formule qui nous a permis de découvrir une nouvelle forme, cosinus theta plus i sinus theta est encore égal à exponentielle i theta. Peut-être vous mettez-vous au travail, vous pouvez vous rendre compte que non, cosinus theta plus i sinus theta, peut-être vu sur cette forme exponentielle i theta, vous pouvez vous rendre compte que c'est encore un ln de quelque chose, vous pouvez vous rendre compte que c'est encore une tangente ou quoi que ce soit de quelque chose, et ainsi vous aurez découvert une nouvelle écriture, mais il faudrait être humble, il faudrait reconnaissant, cette nouvelle écriture qu'on aura déterminée, ça vient toujours de l'étude trigonométrique, parce qu'on manipulera R et θ. Alors là, puisqu'on voit maintenant notre complexe sous une forme exponentielle, il y a des nouvelles lois qui vont être déterminées, il y a des nouvelles considérations qui vont être faites. Alors, on pourra commencer par ce qu'on appelle formule d'Euler. C'est une formule très efficace. Alors, les formules d'Euler, on dit ceci, que cosinus θ égale à exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ le tout sur 2. On va les démontrer, mettons-les d'abord. Et que sinus θ, c'est exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ le tout sur 2i. Alors, voilà nos deux formules de l'heure. D'une part, on a cosinus, dont il était nécessaire, avant de parler de cette formule de l'heure, d'introduire d'abord ce qu'on appelle la considération exponentielle. Là, on se rend compte qu'on se balade entre les cosinus et les exponentielles, parce que rigoureusement, quand j'ai un cosinus, j'ai un exponentiel dans le fond. Quand j'ai un exponentiel, j'ai les cosinus et les sinus dans le fond. Ça dépend aussi de la retranscription avec le développement limité. Alors là, très très vite, pour clôturer, rappelons qu'on a cosinus θ plus i sinus θ égale à exponentielle i θ. On l'a découvert, même si vous ne saviez pas, acceptez-le. D'autre part, bien sûr, puisque θ peut être moins θ, on aura cosinus
moins θ plus i sinus moins θ. Cette fois, va donner exponentielle moins i θ. Pourquoi? Parce qu'effectivement, là, on a θ, 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 et ce θ peut être 2 θ, ce θ peut être moins θ, ce θ peut être 4 θ. Il suffit seulement de mettre θ à son endroit, peu importe ce qu'il devienne. Donc finalement, là, c'est juste la matrice. Alors là, rappelons encore nos propriétés de trigonométrie. Cosinus θ est encore égal à cosinus moins θ. Et sinus moins θ, ça donne moins sinus θ. Donc le moins va venir ici à l'extérieur. Donc ceci avec θ nous donne ça. Ceci avec moins θ nous donne ceci. Alors finalement, on se rend compte que en appelant θ et moins θ, ceci est fait exprès, on se rend compte qu'avec nos propriétés de trigonométrie, d'après la nature des sinus, là, si on fait une somme membre par membre, le sinus va partir. Alors finalement, on reste avec 2 cosinus θ, somme membre à membre, qui donne exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ, la somme membre à membre. 2 cosinus θ égale à exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ. Cela est fait exprès parce que exponentielle tout simplement a cosinus et sinus. Il faudrait qu'on se débarrasse de sinus. C'est donc pour ça qu'on appelle d'une part exponentielle i θ qui ne doit pas être seul parce qu'étant seul il a les deux, et exponentielle moins i θ qui a le conjugué de sinus qui va partir avec sinus et on va rester avec cosinus. Alors ceci implique que cosinus θ lui seul donne exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ, le tout sur 2. Alors voilà une des formules de l'heure que l'on a démontré. Rappelons, cosinus θ égale à exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ, le tout sur 2. Alors dans la même lancée, on s'est rendu compte que ça a été fait exprès, toutes nos opérations ont été faites exprès, de telle façon à se débarrasser de sinus. Maintenant, qu'est-ce qui se passera lorsqu'on voudra se débarrasser plutôt de cosinus pour rester avec sinus? Alors je vous laisse le soin, d'après ces explications, de retrouver cela. Si vous avez des difficultés, vous pourrez nous laisser en commentaire. Alors voilà ce qu'il en est pour l'écriture exponentielle, pour la présentation exponentielle d'un nombre complexe. Et rigoureusement, on ne peut pas se limiter seulement à ces trois présentations. On se rendra compte avec un peu plus de maturité intellectuelle qu'il y a plusieurs écritures, plusieurs notations, plusieurs façons de voir un complexe qui peuvent se révéler à nous en fonction des correspondances. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que la forme exponentielle et la forme trigonométrique ne sont pas si éloignées. Les deux entrent dans la considération trigonométrique. Toute écriture, toute notation où on aura besoin de R et de θ, peu importe comment c'est mis, on pourra dire que ça relève d'une considération trigonométrique. Mais sauf qu'il y a une écriture dite trigonométrique purement, parce que lorsqu'on parle de trigonométrie, ce n'est pas seulement θ, c'est θ qui doit être dans un cosinus ou dans un sinus. Mais puisqu'on utilise tout θ ou autrement, là, on pourra plus dire fidèlement écriture trigonométrique, mais cette fois écriture exponentielle, mais avec les informations de la trigonométrie. Alors, c'était tout pour cette vidéo, où il était question pour nous toujours d'aborder les nombres complexes dans l'approche algébrique, parce qu'une autre approche viendra. Dans sa nouvelle écriture, l'écriture exponentielle qui nous aidera beaucoup, et on verra dans les prochaines vidéos la portée de cette nouvelle écriture, en quel cas cette nouvelle écriture nous permet de résoudre les problèmes que ces deux autres écritures ne peuvent rien dire. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, d'actionner la cloche de notification pour ne pas manquer vos prochaines vidéos. N'oubliez pas de recommander nos vidéos à vos proches de terminale, parce que nous rappelons que nos contenus de mathématiques, de physique et bien d'autres encore sont destinés à des candidats au baccalauréat et toute personne curieuse. Alors, voyons-nous très prochainement dans une nouvelle vidéo, dans une prochaine vidéo, pour un peu pratiquer tout ce que nous avons dit jusqu'ici. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.